Salut à tous, c'est UnderXL. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je sais pas si j'aurai enfin réussi à mettre la première vidéo de l'année. Si c'est pas le cas, bonne année, parce que j'ai eu énormément de soucis. En gros, YouTube il plante à chaque fois que j'essaie de publier une vidéo. Mais ça, c'est à part. Aujourd'hui on se retrouve sur Banished. Donc c'est un jeu normalement qui est 100% en anglais, j'ai rajouté juste un mode pour qu'il soit en français, qu'il soit un peu plus facile à comprendre. Donc c'est un jeu de un peu survie, où on doit construire notre ville, c'est de la gestion, on doit faire attention que les villageois n'aient pas faim et tout ça. Mais on va commencer tout de suite, on va donner un nom au hasard, voilà. On va faire un climat tempéré pour que ce soit moyen. Voilà. On va pas faire plus de détails que ça. Tout était déjà bien réglé. Donc on va commencer tout de suite. Ce jeu est déjà assez difficile. Je dois bien l'avouer. J'ai fait 2-3 tests. Au début, la plupart de mes villageois, ils mouraient parce que je comprenais pas comment fonctionnait le jeu. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez... je vais mettre sur pause tout de suite. Vous avez votre premier entrepôt, en tout cas en mode moyen. Donc ici, j'ai des pommes de terre. On commence la plupart du temps en plein milieu des bois. Le but, c'est de s'étendre un maximum en ayant le maximum de villageois. Donc au niveau des villageois, on le voit ici. Donc actuellement, j'ai 10 adultes, 9 enfants. Et ils ont besoin... Donc j'ai 19 sans-abri actuellement dans ma ville. Au niveau de leur santé, forcément c'est le début, elle est bonne. La quantité de bois, la quantité de combustible, parce qu'ils ont besoin de combustible pour vivre évidemment. Parce que les hivers, ils peuvent réclamer du combustible parce qu'ils ont froid. De la nourriture, si ça tombe en pénurie, on n'est pas dans la merde. Et je suis sérieux, on n'est vraiment pas dans la merde. La quantité d'alcool, ça c'est futile. La quantité de pierre, la quantité de métal. On a aussi la quantité de charbon, d'outils, d'herbes médicinales, de quantité de vêtements et de... S'il veut bien s'afficher... Mais il s'affichera pas, il y a encore un truc. On a la température. La météo actuelle, donc actuellement il va sûrement bientôt pleuvoir à ce que je vois. On va arrêter le blabla, on va commencer tout de suite. Donc ce que je vais faire c'est ceci. Au milieu on va y mettre un champ. Un gros champ. Parce que ça ils en auront bien besoin du champ, croyez-moi. Un 15x15 pour commencer. Ensuite cette route là elle va être en trop. Merci. Voilà. Donc, quand je vais relancer le jeu, ils vont commencer à construire, évidemment. Hop. D'ailleurs, je voulais pas le relancer. C'est quand on appuie sur espace, il se relance. Donc, ici, on va faire une route qui va faire tout le tour. Voilà. Ce qu'on va commencer à faire également... Pourquoi ça ne veut pas me construire la route? Voilà. Il n'avait pas envie de me construire la route, tant pis. Ce qu'on va faire aussi, un truc qui est pas mal au niveau de la bouffe dès le début, c'est ceci. Hop. On va le mettre juste derrière l'entrepôt. Comme ça, ils auront pas trop loin à aller. Et la bouffe se fera assez rapidement. Voilà. Et ce qu'on va faire aussi, tant qu'ils sont sans abri, on va faire une pension pour famille. Comme ça, ça héberge directement les sans-abri et ça consomme pas trop directement dès le début. On va la mettre là. Voilà. Maintenant, si on lance, hop, on va déjà dire qui cultive des pommes de terre. Il faut qu'ils soient 4 à cultiver. Donc actuellement ils sont au travail, les 4 sur 4 tout le monde, donc, vont commencer à travailler, et je fais où on était, enfin pour vous tout de suite, pour moi ça fait déjà un petit moment.
Donc, j'aurais dit de faire des cultures de pommes de terre et pour le reste, d'aller construire ici. On va louer deux constructeurs et on va reprendre tout de suite. On va un peu accélérer le temps comme ça. Ils vont travailler un peu plus vite. Attendez, c'est début du printemps, donc début du printemps, ils devraient commencer à planter tout doucement. Attendez. Bien, c'est printemps tout court qui commence à travailler. Donc ici, on va mettre 4 gugus, comme ça, ils ont de quoi. Voilà, donc ici, on va commencer à tout doucement à produire un peu de nourriture. Là, ils vont tout dégager pour pouvoir faire le bâtiment. Au début, on va faire comme ça parce que c'est plus simple. Je n'ai pas d'animaux ici aux alentours. Enfin, j'ai pas l'air d'en avoir. Je sais pas comment en avoir d'ailleurs. Attendez, hein. C'est quoi ça? Ah ouais, d'accord. Voilà, ici ils ont commencé à planter leurs patates, donc ça c'est bon. La nourriture elle augmente, elle diminue pas, donc ça c'est aussi un bon point. C'est mieux qu'elle augmente que diminuer d'ailleurs, parce que sinon. Ah, ici elle a diminué, mais d'un sacré coup. Ouais, il faudra peut-être trouver un autre truc. Attendez. Ils sont pas en train de construire ici? J'aurais pas demandé de construire quelque chose. Genre ça. Ah non, je savais pas le construire, d'accord. Donc on va le mettre ailleurs, genre ici, voilà. Construisez-moi ça. Et ouais, j'ai un enfant qui a grandi, donc on va faire un troisième constructeur, ça ira un peu plus vite comme ça. Ouais, la nourriture en fait elle est stable, c'est pas elle diminue, c'est pas elle augmente, elle est stable. Donc ça c'est déjà un bon point. Là, on va les faire construire tout doucement. Ouf, enfin stable, je pense qu'on va devoir attendre. Attendez, je suis en manque. Ouais, le stock qui a bien diminué le temps de construire tout ça. Voilà, bah ils ont tous un logement, donc ça c'est le plus important. Il reste énormément de place. Donc pour l'instant, ils vont tous vivre en même temps, dans la même pièce. What? Attendez! La nourriture, comment elle a diminué d'un coup? Ce qu'on va faire, c'est. Toujours dans les ressources de nourriture. Il me reste combien de bois? Ah ouais, d'accord, il me reste quasi plus rien. Attendez. Une ferme à poissons. Donc ça c'est un mode, hein, la ferme à poissons, je préfère le préciser. Non, ça j'aurais vu clairement pas assez. C'est quoi le rayon de ça? J'ai vu qu'il y avait des animaux qui traînaient ici dans le coin, donc on va faire ça. Qu'ils aient un peu de quoi chasser. Tout ça c'est du fer, donc la caillasse et tout ça. Ça risque d'être un peu tendu, je dois bien l'avouer. Bah quoi qu'il faut 12 de pierre. Ah ouais, mais j'en ai plus que 5. Donc, vous allez récolter le caillou ici. Ainsi que le bois. Comme ça fait du caillou en plus pour reconstruire. Ouh, j'ai plus assez de cailloux. Bon, au niveau du bois, ici il est toujours à zéro, mais j'ai déjà un petit quelque chose. Ils sont en train de faire les récoltes pour les patates, donc ça c'est déjà quelque chose de bien en plus. Hop, cassez-moi ce caillou là aussi. Voilà. Donc maintenant ils vont construire ça. Ce qu'on va faire, c'est dans les builders. Ah non, mais attendez. Ah, mais j'ai 12 adultes. Donc maintenant on va faire ça. On va mettre un chasseur qui va ramener un peu de gibier. Ça augmente pas mal la nourriture, mais bon. C'est quand même relativement tendu, hein. Ah, mais avec la cabane du chasseur, on commence déjà à avoir de la nourriture qui rentre, donc. Le plus important dès le début de ce jeu, c'est d'avoir la nourriture. Après,
Ça devient un peu plus facile, je vais dire, dès qu'on a la nourriture. Voilà, le stock de pommes de terre, bah, ça a clairement tout augmenté. On va profiter pour faire, à moins que ça, ils aient pas besoin de bois de chauffage, mais... Ah si, ils ont besoin de bois de chauffage, donc on va faire deux bâtiments. Hop, production, on va faire la cabane... ce Gugus-là en premier. Voilà. Et ensuite, on fait la cabane du bûcheron. Donc, il faut commencer par celui-là, mais évidemment, je n'ai plus assez de tout. Ça, c'est tout du métal, il me semble. Donc, vous allez me couper déjà le bois. Ici, ce bois-là. Et après, au niveau de la caillasse, je suis pas trop bien servi, j'ai l'impression. Et la caillasse ici. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, ici c'est un peu en stand-by. Ils ont pas trop le choix. Voilà, donc ça à ce niveau-là c'est bon. Ah ouais, mais attendez, celui-là on le met en pause. Plus important, c'est commencer par celui-ci. Ah, mais j'ai 15 adultes maintenant. Ça va tellement vite. Enfin, ils ont de quoi se développer. Ah non, attendez. Me dites pas que c'est déjà. Non, c'est pas full. Il y en a qui sont sans domicile et ils veulent leur propre maison, j'ai l'impression. Et sans abri, ouais. Ils veulent leur propre maison. Donc là, on va commencer à construire des maisons. Pour l'instant, on va en mettre une ici, derrière le port de pêche. Et une autre ici, à côté. Voilà. Comme ça, au moins, ils ont une maison. À chaque fois, je me trompe de touche. C'est pas ça qu'il faut faire, mais tant pis. Au moins, terminer cette maison-ci. Ils sont trois à travailler dessus, donc... Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque encore un peu de caillasse. Oh là là, la caillasse, c'est quand même relativement tendu. Hop, coupez-moi ça. Enfin, cassez-moi ça, en tout cas. Et après, vous vous occuperez des maisons. Ah, il dépose seulement en maison, là. Oh là là, c'est pas bon s'il dépose uniquement en maison. Ah, mais voilà. Donc juste après, on va s'occuper des sans-abri, on va construire une maison la plus avancée, donc celle-ci, voilà. Voilà, donc ici on a la hutte du forestier. Lui, il va juste s'occuper à aller couper des arbres. Donc en attendant, on va lui mettre tout ce qu'on peut lui mettre. Oh mais ça va, j'ai encore du rab au niveau des personnes. Donc ici, on va construire la maison tranquillement. Donc les forestiers, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper les arbres autour. Et même... attendez. Il me semble qu'ils coupent... Ah ouais, d'accord, ils coupent plus que les arbres, quoi. On va diminuer un peu la vitesse parce que ça me rend un peu malade. Donc, ici, il leur manque un peu de bois, les forestiers vont s'en occuper. Bois maximal, on va en mettre 400 parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Ils mettent directement dans le bois, donc ça c'est parfait. J'aimerais bien qu'ils construisent juste un tout petit peu plus vite parce que les sans-abri ils causent pas mal de soucis en général. Tout ce qui est poisson, ça va. J'ai l'impression qu'on a. Ah ouais, on accorde pas mal de nourriture. Ils ont surtout mangé tout ce qui était viande. Allez, tout ce qui est fourni par le chasseur. Hop, on va mettre deux chasseurs. Ah, même trois. Ah non, trois c'est un peu trop, tant pis. Ensuite, tant qu'ils construisent ça, on va améliorer celle-ci. Voilà. Comme ça, il y a des gens qui ne sont plus sans abri. Et qu'est-ce qui manque? Le stock de pierre est faible. Attendez. Où je pourrais encore aller choper de la pierre? Ici. Allez, me casser tout ça. Normalement. C'est comment qu'on accélère?
avec les raccourcis. Attendez que je regarde. Vitesse 4. 4? Ah voilà. D'accord, j'ai compris le raccourci. Ah non, d'accord. Ouais, c'est un peu spécial, je veux dire. Je suis quand même obligé d'aller là-dessus, donc... je sais pas, c'est un peu spécial. Bon, pendant ce temps-là, ils sont en train de construire la cabane du bûcheron. Donc, la cabane du bûcheron, c'est justement... ici, ils ont froid, donc c'est pour ça qu'il faut faire la cabane du bûcheron. Maintenant qu'ils ont fait ça, on peut lancer la construction de ça. Dans tous les cas, il me faudra un bûcheron ici. La nourriture, c'est encore bon. Hop, voilà. Comme ça, ils ont chacun leur poste. Lui, il va créer le bois, il va l'amener directement à lui. Donc, ici, c'est bon. Ce que je propose, c'est que cet épisode se termine ici. Je vais laisser un peu tourner pour voir si tout va bien. Et ici, il me dit qu'il n'y a pas de bois pour lui continuer. Ouais, c'est pas grave. C'est parce qu'ils utilisent le bois actuellement pour faire ça. Donc, c'est pas encore trop grave. Bon, je vous dis salut à tous et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Allez, salut tout le monde !